Parcours DM est un outil développé par Avisan. Des chercheurs, cliniciens, industriels, financeurs, membres de cellules de valorisation ont créé cet outil pour vous aider à anticiper les étapes phares de développement d'un dispositif médical et à identifier les ressources qui vous permettront de mettre et de maintenir sur le marché ce DM innovant. C'est un support pour les chercheurs, les industriels et les accompagnants. Pour les chercheurs, lors du développement d'un DM innovant. Lors d'un accompagnement d'un industriel. Pour les industriels, en particulier ceux des petites structures. Pour les accompagnants, personnel de structures de valorisation, incubateurs, pôles de compétitivité, CIC, consultants. Parcours DM, c'est quoi exactement? Parcours DM, c'est 5 parcours, 47 étapes, 45 acteurs et une checklist go, no go. Les parcours. Un parcours de référence et 4 parcours thématiques. Le parcours de référence décrit les grandes étapes de développement d'un dispositif médical. Le parcours technologique, de l'idée au produit. Le parcours marché, des utilisateurs aux besoins. Le parcours réglementaire, de la propriété intellectuelle à la qualité. Le parcours financement, aide au financement. Les étapes. Pour chaque parcours, les étapes sont cliquables. Vous trouverez une description de l'étape, les liens avec les autres étapes, des ressources et un glossaire. Les acteurs. Pour chaque étape des différents parcours, vous trouverez également les acteurs clés du domaine. Agences réglementaires, financeurs, centres d'investigation clinique, Living Labs, etc. Les fiches acteurs décrivent son rôle, dans quelles étapes et quel parcours celui-ci intervient. La checklist Go-No-Go. Pour finir, une checklist Go-No-Go vous permettra de vous poser les bonnes questions avant de poursuivre le développement de votre dispositif médical. Parcours DM, c'est une boîte à outils pour comprendre et anticiper les étapes de développement d'un dispositif médical innovant.